Posez votre regard sur cette pièce où s'habille la future mariée. Vous reconnaissez tout ce petit monde? Les demoiselles d'honneur aux petits soins, la mère de la mariée soulagée d'avoir casé sa fille, la radieuse future mariée et la petite fille qui rêve du jour où elle sera celle à qui l'on donnera le bouquet. Et là, c'est moi, la femme mystérieuse qui gère la boîte à couture. Je suis Lorraine Crandall, assistante organisatrice de mariage. Assistante signifiant que ma patronne aboie ses ordres et que je les exécute. Je suis couturière, femme à tout faire, voire esclave. J'endosse tous les rôles afin que le jour J, tout soit parfait. Et croyez-moi ou non, ça fonctionne, même pour les demandes les plus excentriques. Enfin, la plupart du temps. J'ai perdu mon turban. Les cérémonies de mariage sont par essence semées d'embûches. C'est ce qui me rend indispensable. Le jour de votre mariage, mon travail est d'être à l'affût du moindre dysfonctionnement. Je m'inquiète à votre place, j'interviens en cas de problème, je trouve la solution, et parfois même, je frôle le miracle. D'accord, c'est à toi, et n'oublie pas de sourire. Vous êtes merveilleuse. Merci. Très jolie. Et papa? Ayant planifié plus d'une centaine de mariages, j'ai fini par réaliser qu'il y avait un certain nombre de règles subtiles que toute organisatrice devrait connaître. Règle numéro 1, faites le travail, mais n'en tirez jamais les honneurs. Laissez les futurs mariés penser qu'ils sont les maîtres d'œuvre de ce jour parfait. Voir leurs rêves se réaliser justifie en soi toute l'énergie que vous avez déployée. Allô? Oh, bonjour, oui, je vous ai appelé pour retenir un orchestre pour le 10 octobre et les futurs mariés aimeraient avoir un groupe qui puisse jouer du rock et de la polka. Hein? Vous attendez une petite seconde? D'accord. Allô, union dans la joie? Oh, bonjour, papa. Merci. Vous savez, je suis vraiment désolée que vous soyez brouillée avec votre demoiselle d'honneur, mais comme votre mariage n'aura lieu qu'en 2007, je suis convaincue que d'ici là, vous aurez fait la paix tous les deux. Pour vous, madame. Non, je suis sûre que toute seule, vous vous débrouillerez très bien, non? D'accord, je vous rappelle très très vite. Entendu. Merci, au revoir. Allô? Oui, désolée de vous avoir fait attendre. On en était où? Lorraine, venez ici tout de suite. En fait, si vous voulez bien m'excuser encore une fois, je vous rappelle. Entendu, au revoir. Oui? Si je vous dis ce qui nous arrive, vous ne le croirez jamais. Quoi donc? Nous venons de décrocher un contrat avec Darla Tedanski. Qui est Darla Tedanski? La fille du roi de la saucisse. C'est génial. Non, ça n'est pas génial. C'est monumental. Ça va être la plus grande cérémonie de mariage de tout Chicago. Vous savez ce que cela veut dire? De longues journées de travail et la perspective de nuit sans sommeil. Cela veut dire la garantie que cet événement sera la une de mariage d'aujourd'hui. Imaginez la publicité. Et comme je ne suis pas une ingrate, si jamais tout se déroule sans accroc, vous aurez la promotion que je vous ai promise. Vous êtes sérieuse? Plus je ne pourrais pas. Lorraine Crandall, consultante confirmée. Vos propres comptes, votre assistant personnel et bien sûr une hausse de salaire. Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dites rien. La journaliste va arriver dans 10 minutes. Allez vous préparer. J'y vais. Mariée d'aujourd'hui est mon magazine préféré. Tout spécialement quand il fait un sujet sur moi. Oh, faites attention. Ce service à thé vaut le double de votre salaire. Des petits gâteaux, c'est moi qui les ai faits. C'est maman, c'est qui? Vous êtes chef d'entreprise et vous trouvez le moyen de cuisiner? Quel est votre secret? C'est moi le secret. Que dites-vous, très cher? Oh, rien, Jenny. Je réfléchissais tout haut aux fleurs pour le mariage des Hanscom, voilà. Il n'y a pas de réflexion à avoir. La mariée veut des gardenias. Mais ce n'est pas la saison des gardenias. On peut les faire venir de Californie, mais on sera au-delà du budget. Je crois que le muguet serait une jolie alternative. Vous êtes consultante, vous aussi? Assistante consultante. De temps en temps, elle s'occupe du planning, mais ce ne serait pas une production de Jennifer Douglas si jamais ça n'était pas moi qui faisais tout le travail.
Je serai dans mon bureau si vous avez besoin de moi. Où en étions-nous? Je vous parlais du mariage Tedrowski. Oh, c'est exact. Ce n'est pas une organisation un peu lourde pour seulement deux personnes? Petite précision, ma chère. Une personne. Mon assistante étant séparée de son mari depuis peu, elle est un peu trop émotive pour assurer le bon déroulement d'un événement aussi énorme. Oh, cette situation est vraiment très triste. Petite note pour le dossier, je ne suis pas trop émotive. Règle numéro 2, une consultante professionnelle ne laisse jamais sa vie privée entraver son travail. Je me suis séparée de mon mari il y a un an environ, après avoir constaté son infidélité. C'est la meilleure chose que je pouvais faire. Et même si mon mariage n'a pas fonctionné, je continue à croire sans l'ombre d'un doute au côté sacré de cette institution. Snickers! Mon premier pas vers cette promotion fut un rendez-vous avec ma nouvelle cliente, Darla Tedanski. Jenny tenait dur comme fer à y assister, mais un impondérable sur 20. Traduisez, elle avait une séance photo sur le thème mémère avec son chien Snickers. Excusez-moi. C'est le resto végétarien qui vous envoie, chérie. Ah non, je suis ici pour rencontrer Darla. Je m'occupe de mariage. Ah, vous êtes Lorraine. Bisous. Ce que vous êtes, mignonne. Une seconde, je vais chercher la patronne. Et me voici en train d'attendre que la princesse de la saucisse daigne arriver. Je me demande si elle ressemble à son père. Oh, ben non. À l'évidence, le roi du port n'a pas d'étain sur sa fille. Je suppose que vous êtes Lorraine. Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi. Puis-je savoir depuis combien de temps vous assistez Jenny? 3 ans. Voilà qui est louable. J'ignore si je supporterai de travailler pour quelqu'un. Et vous, qu'est-ce que vous faites au juste? De la pub. Je dirige cette agence. Vous parlez d'un boulot stressant. Assez causé de moi. Jenny m'a dit que vous étiez une maniaque du détail. Oui, mon psy va jusqu'à dire que je suis une compulsive obsessionnelle. En l'occurrence, une qualité, car ce mariage est dans un mois. Un mois? Oui, on travaillait avec quelqu'un d'autre, mais on n'arrêtait pas de se crêper de chignon. Alors, voici le dossier que l'ancien consultant avait préparé. Il y a tout ce que j'aime là-dedans. Ça va des chaussures, des demoiselles d'honneur au bouquet de fleurs. Désolée de vous interrompre, mais la yogi nous a fait une crise sciatique. Je vous avais dit d'éviter la position du lotus, Britney. C'est pas vrai! Je dois y aller. Si vous avez des questions, posez-les à Marc. Lorraine, bonne chance. Oh, Britney! C'est une compréhension, ça. Marc, il va bien. C'est ici qu'il y a un problème. Allez chercher de la glace ou une ambulance. Pourquoi tout le monde reste là, les bras croisés? Marc! Oui? Bon sang! Mais à quoi ça sert que j'en garde du personnel? Après avoir passé la nuit à agencer les couleurs pour le dossier d'Arla, il a fallu que j'arrange une situation catastrophique. Il y a des jours où tout va de mal en pis. Les Cibriani, un gentil petit couple d'Italiens du sud de la ville, allaient convoler. Et contre l'avis de la future mariée, le promis avait décidé de faire une entrée fracassante. Je suis là ! Règle numéro 3, les invités se fichent du marié. Ils ne sont là que pour voir la mariée. Admirez le style. Alors ça y est, il fait le grand plongeon. Oui. Oh, voilà. Oh mon Dieu, attention. Tiens bon, chérie. Tiens bon. Accroche-toi. Je savais que ça allait mal se terminer. Je suis là dans une seconde. Arrête de bouger, bébé. Je suis à 2 doigts, mais ça va. Je t'aime, ma chérie. Moi aussi, je t'aime. Tu écoutais ma mère. T'inquiète pas, mon amour. Ça va aller, chérie. Dans combien de temps les secours arriveront à Saint-Alfred? Ah, les pompiers. Messieurs, c'est par ici. Il est là-haut. Eh ben, c'est pas ça. Ça va, ça va. Ah, très bien, tout va bien. Il est là-haut. Accrochez-vous. Les pompiers vont vous descendre. Tiens-toi. Vous y êtes presque. Voilà, ça va aller, ça va aller. Essayez de vous détendre. Je voudrais bien vous y voir. Où allez-vous passer votre lune de miel? À Tahiti. Vous allez fermer les yeux et faire comme si vous y étiez déjà. D'accord? Imaginez que vous êtes sur une plage de sable fin, avec une eau transparente. Et vous avez un punch coco à la main. J'aime pas trop la noix de coco. Bon, dans ce cas, une bière.
Et n'oubliez pas de mettre une crème solaire surtout, le soleil tape fort. Parfait, vous y êtes. Continuez à vous détendre. Ah, laissez-moi deviner, le marié a voulu faire le saut de l'ange. Il fait quoi, là? Il prend un bain de soleil. Je lui ai demandé de visualiser sa lune de miel pour rester calme. Oh, et où croit-il être? Au Tahiti. Au Tahiti, c'est classe, ça. Vous y êtes déjà allé? Non, mais c'est sur ma liste. Votre liste? C'est un des pays que je voudrais connaître. Ah, je savais pas qu'on pouvait faire une liste pour ce genre de choses. Je fais des listes pour tous les sujets. Ça m'aide à contrôler ma vie. Et où est le plaisir, là-dedans? Ça va. Je vais pas mourir, hein? Non. Et puis quoi encore? Il n'y a pas tant que je suis là, tenez bon. Venez par là. Oh. On se détend. Oh. Et voilà. Là, voilà, on y est. Avant de faire des acrobaties, vous réfléchissez la prochaine fois. Oui, d'accord. Joli travail, Mickey. J'y serais bien allé moi-même, mais je viens juste de déjeuner. Oui, c'est ça. T'es toujours le dernier arrivé, petit frère. Et le premier parti, Jay. Sans vous, je ne sais pas ce qu'on aurait fait. C'est vrai, ça. Salut. Salut. Remercie infiniment. Oh non, c'est vous qu'on doit remercier. Là-haut, vous avez été carrément génial. Oh, je n'ai fait que mon travail. Je m'appelle Lorraine. Je suis organisatrice de mariage. Nick, je suis pompier. Le devoir m'appelle. Je dois y aller. C'est oui, moi aussi. D'accord. Alors, un de ces jours? Oui, je l'espère. Au revoir. Au revoir. Oh, t'ai-je dit que j'ai vu la mère de Bras l'autre jour au Dominique? On se disait à quel point c'était dommage que vous soyez séparés, Brad et toi. Elle a toujours beaucoup d'affection pour toi, Lorraine. Ce serait mieux que ce soit son fils. Il est encore temps de reconsidérer ce divorce, chérie. Maman, j'ai déjà signé les papiers. Pourquoi tant de précipitation? Le mariage n'a rien à voir avec des vacances. Ça demande beaucoup de travail de rester ensemble, n'est-ce pas, chérie? Tout à fait. Il y a quelque chose d'étrange. Vous aviez l'air tellement bien assorti, le couple idéal. On n'a pas évolué de la même manière. Mais dans ce cas, on consulte, on ne saute pas sur le divorce. Le mariage n'est pas un article que l'on rapporte au magasin comme un pull qui aurait un défaut. Vous vous demandez sans doute pourquoi ma mère est si désireuse que je me réconcilie avec mon adultère de mari. Eh bien, pour commencer, elle ignore qu'il m'a trompée. Je n'ai pas eu le courage de le lui dire. Non, mais regardez-la. Elle est le maître étalon de la parfaite épouse. J'avais peur de la décevoir. Je voudrais tellement te voir heureuse. Je sais, maman, mais je n'ai aucunement besoin d'un homme pour l'être. Tu ne voudrais pas essayer de donner à Brad une seconde chance? Bonjour, il y a quelqu'un? Oh mon Dieu, tu as osé. Fais-moi confiance, c'est pour ton bien. Bonjour, Brad. Bonjour, je suis content de vous voir. Moi aussi. Bonjour, Hank. Brad, j'ai hâte de goûter votre merveilleux chili. Oh, regarde, Lorraine, il t'a apporté une boîte de truffes. Je sais que tu les adores. Non, je les déteste. Tu les adores? Non, je les déteste. Allons, chérie, personne ne peut vider une boîte de chocolat aussi vite que toi, c'est pas vrai? Mais c'est vrai, ça. As-tu apporté les papiers du divorce aussi? Ça fait 3 semaines qu'on doit les signer. Ça t'ennuierait de venir dehors? J'aimerais te parler. Ah ben oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta mère m'a invité. Bon, d'accord, tu veux que je sois honnête? Ce serait une première, ça. En fait, les papiers du divorce me font peur. Tout le côté définitif de cette situation. Tu as fait des choses plutôt définitives quand tu as couché avec la manucure. Chut! Tu veux que ta mère nous entende, c'est ça? Qu'est-ce que tu veux, Brad? Je veux que tu me donnes un peu de temps. Pourquoi? Jamais je ne changerai d'avis. Je sais, j'ai seulement besoin de me faire à l'idée, c'est tout. Souviens-toi comment on était bien ensemble. À l'époque de nos études, peut-être, oui, quand j'étais jeune et stupide.
Ça, tu ne le penses pas? Si, figure-toi. Chérie, crois-moi, personne ne te connaît comme je te connais. Brad, pourriez-vous m'aider à ouvrir cette bouteille de vin, je vous prie? Avec joie, bel moment. Ça me fait vraiment plaisir que t'aies compris. Quoi? Merci beaucoup. Alors, quand vas-tu me laisser te présenter quelqu'un? Pourquoi les gens mariés passent-ils leur temps à vouloir convertir les célibataires? Mais la nature a horreur du vide, chérie. Très drôle. Que dirais-tu de mon cousin Barry? Il est très mignon. Il est allergique aux rayons du soleil. D'accord, mauvais choix. Lui, il est craquant. Il est gay. Oui, tu as raison, qui peut bien rencontrer un mari dans une boîte? T'es allée sur soleilenchasse.com? Oh, mais t'es dingue! T'arrêtes ton cinéma! Je suis pas en chasse. Et d'ailleurs, j'ai établi un plan. Quel plan, Lorraine? Il faut que je conserve toute mon énergie pour avoir cette promotion. Oh, par pitié, c'est juste une excuse pour ne pas te rendre disponible. Ça n'a rien à voir. Et pour ta gouverne, j'ai fait la connaissance de quelqu'un au mariage d'aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dis? Mais vas-y, raconte-moi ça tout de suite. C'est un pompier. J'adore les pompiers. Pourquoi sont-ils toujours aussi torrides? Oh, sans doute à cause de l'uniforme. Il devait avoir un côté macho. Non, au contraire, il est gentil, plein d'esprit. Et il a le plus beau sourire qu'il m'a été donné de voir. Oh, il a l'air exceptionnel. Oh, il l'est. C'est exactement ce que je recherche. Si jamais tu étais en chasse, bien sûr. Bien sûr. Génial. Brad. Pire. Barbara la sommante. Tu me donnes une minute? Bon courage. Allô? Barbara, pas besoin de commander vos invitations cette semaine. Non, votre mariage n'aura lieu que dans 3 ans. Oh, pardon. Oh, fou. Bonjour. Salut, Nick. Vous êtes Lorraine, c'est ça? Oui. Waouh. Dis donc, j'ai pensé à vous toute la journée. C'est vrai? Oui, oui, j'ai pensé aussi à votre liste. Oh, oui. Vous vous en rappelez? Oui. Alors, qu'en est-il de ma liste? Eh bien, vous vous avez dit que vous faisiez une liste pour tout, ou presque. Oui. Vous en faites une aussi pour tous les candidats? Oui. Et je vais vous dire, cette liste est très très longue. J'en doutais pas une seconde. Et alors, est-ce que vous... Quelqu'un qui serait, disons, pas trop mal, cheveux foncés, du genre soldat du feu, pourrait se retrouver sur cette liste? Chérie, tu m'as pris un verre? Oh. Merci. Darla? Laura? Salut. Ah non, c'est Lorraine, son nom. Suis-je belle? Bien. Ça ne fait rien. Comment se fait-il que vous vous connaissiez? On s'est rencontrés cet après-midi, en fait. Oui. Très intéressant. Eh bien, j'y vais. Il y a ma copine qui m'attend. Bah, vous voulez vous joindre à nous? Oh, t'avais promis de danser avec moi. Ah, bon. C'est bien. Ça va aller. Ravie de vous avoir vu tous les deux. Moi aussi. Où t'étais passée? Alors là, tu vas jamais me croire. Quoi? Le pompier de mes rêves va épouser la cliente de mes pires cauchemars. S'en va. Ouais. Nous y étions. James, Nicolas, Corinna. Je compris immédiatement pourquoi Nick préférait son deuxième prénom au premier. James était un peu trop guindé pour un garçon séduisant et large d'esprit tel que lui. Ah, mais qu'importe. Règle numéro 4, ne jamais sortir avec le futur marié. Et demandez-lui s'il peut revenir de Paris pour me coiffer. Si c'est le cas, prenez un billet d'avion pour son caniche. Et avant que j'oublie, prenez-moi un rendez-vous pour une séance en question d'oxygène. Règle numéro 5. Méfiez-vous de la future mariée psychotique. Une mariée psychotique étant une personne ayant perdu tout sens de la réalité. Darla, en l'occurrence. Bonjour, Jacques. J'appelle du bureau de Madame Tedanski. J'ai besoin de vous pour une coupe couleur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en dites? C'est renversant. Vous avez l'air d'une reine. Je ressemble à un sac à patates. Franchement, je suis énorme. Oui, oui, c'est pas terrible. Suivante. Je vais vous en montrer une. Coupez le... Comme vous le voyez, je suis pas payée pour penser, mais pour aller dans son sens. Croyez-moi, je sais ce que c'est. Oh, chérie, le seul moment où elle me fait confiance, c'est quand je lui mets 2 sucres dans son lait. Tenez,
chérie, vous allez en avoir besoin. C'est gentil. Pas de quoi. Merveilleuse. Mmh. Ouh, ça fait trop Jennifer Lopez. Mariage numéro combien? On s'en fiche, ils sont tous ratés. Non, non, joli. Ça ne va pas, celle-là. Une autre. C'est très classe, ça. Ça vous irait bien? Ah oui, c'est très joli. Ça fait très jeune, très sexy. Oh. Numéro 6 est une annexe à la règle numéro 5. Ce qui est pire qu'une mariée psychotique est une mariée indécise. Non. Ça vous fera ravir. C'est pas confortable. Non, non. Ravissant. Non. Non, je veux même pas la voir. Mon Dieu, on la tient. Oh, vous êtes absolument divine. Lorraine, cette robe me révulsait. Pas parce qu'elle ne lui allait pas à merveille, mais parce qu'elle ressemblait à la robe que je portais le jour de mon mariage. J'en aurais pleuré. Mais comme je suis une pro, j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai menti. Je dirais simplement que cette robe ne vous rend pas justice. Dans ce cas, je vais être obligée de m'en faire une sur mesure. Après une journée des plus pénibles avec Darla, j'attendais avec impatience la surprise que Bonnie me destinait. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était le bal des pompiers? Parce que tu ne serais pas venue. Tu as raison. Nick est fiancé. Et alors? S'il est un spécimen de l'espèce des pompiers, il y en a sûrement d'autres comme lui. Je ne veux pour rien au monde tomber sur lui. Pas de danger, les probabilités sont nulles, il y a trop de monde. Nick. Bonnie. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Heureux. Alors, vous êtes seule ce soir? Oh, oui, je le suis. Oh. Moi aussi. J'adore cette fleur dans vos cheveux, c'est magnifique. Ah, merci. Ce sont mes fleurs préférées. Il va falloir que je m'en souvienne. Mmh. Et comment avez-vous rencontré Nikki? Oh, on s'est rencontrés à un mariage. Lorraine organisait un mariage. Ah, et ça consiste en quoi, l'organisation d'un mariage? Oh, je ne voudrais pas vous ennuyer avec ça. Non, vous n'ennuyez personne. Alors, parlez-moi de monsieur Cibriani. Oh, le mari acrobate. Mmh. Ce garçon a pensé que c'était une bonne idée de descendre en rappel du haut de l'église jusqu'à l'hôtel. En revanche, la mariée était furieuse. Je lui ai donné une gifle mémorable. Je sais, elle était prête à tout annuler, figurez-vous. Oui, juste à ce que je lui dise qu'elle devait rendre les cadeaux. Je vois. Et tout ça m'a l'air bien stressant. Faut pas exagérer. Ce n'est pas comme sauver la vie des gens. Vous savez, sauver la vie des gens ne servira à rien s'il n'y avait pas l'amour et le mariage. Bien dit. Je lève mon verre. Santé. 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 Je n'arrivais pas à le croire. Mon ex-mari ne pouvait jamais parler de mon travail sans un rire condescendant. Et voilà qu'un homme non seulement le cautionnait, mais en comprenait l'utilité. Il n'y avait qu'un seul tout petit problème. Il allait épouser une autre femme. Cet homme est totalement subjugué par toi. Arrête de dire des idioties. C'est un cas classique appelé syndrome de panique du futur marié. Ça arrive quand les hommes réalisent tout à coup qu'ils seront coincés avec la même femme pour le reste de leur vie. Non, crois-moi, Bonnie, Nick trouverait même un pied de lampe attrayant alors qu'il est... Ça, j'en doute. Oh non. Faut que j'aille sauver Robert de la femme du chef des pompiers. D'accord, vas-y. Mais qu'est-ce que vous faites? Hey! Quoi, vous n'aimez pas ma façon de danser? Non. Je n'ai pas très envie de danser, oh, mais... Allez, vous avez devant vous un frère Astaire en puissance. Non, Jay, je crois que tu devrais rentrer à la maison. Oh, commence pas à jouer les grands frères protecteurs. Tu ne vois pas que j'ai une ouverture, là? Tu veux aussi mon chapitre sur la sobriété, peut-être? Ah, comme tu voudras. De toute manière, le bar est fermé. Hasta la vista. Ah, désolé. J'arrive pas à croire que c'est votre frère. Non, c'est un gentil garçon, mais qui a des difficultés à se contrôler, parfois. Il est un petit peu stressé ces derniers temps. Ah, je suis désolé. Peut-être qu'on devrait danser pour votre sécurité. Avec joie. Mmh.
Vous dansez bien, Nick. Merci. De rien. Ma mère m'a appris un truc ou deux. Elle m'a dit que les femmes détestaient les hommes qui avaient deux pieds gauches. C'est de mon père qu'elle parlait. Eh bien, votre maman est pleine d'expérience. Était. Elle est décédée. Oh, je suis désolée. Non, non, c'est pas grave. Enfin, si, c'est grave, mais ça s'est passé il y a longtemps. Ça peut expliquer pourquoi Jay et moi, on est si différents. Jay n'était qu'un gamin quand elle est partie. Il comprend pas vraiment les femmes. Cela dit, je me demande si moi aussi j'y comprends quelque chose. Ah, nous sommes des créatures complexes, je l'avoue. Je rentre. Mais comment je fais si je dois vous contacter? Et si j'ai des questions à propos du mariage? Darla, mon numéro. Mais alors pourquoi on se reverrait pas alors? Laissez-moi vous inviter à déjeuner demain. Je regrette, demain j'ai un mariage au Shadow Peak. Ah, parfait, je vous y retrouverai. Quand on vous dit non, vous entendez oui, c'est ça? Oh non, non. Ça, ce n'est pas bien. Après cette soirée des plus perturbantes, j'étais contente que le travail accapare mon esprit. Mais malheureusement, il demandait aussi de prendre soin du chien de ma patronne, Sneakers. Déterminée à mener ma mission à bien, je me concentrais sur tous les détails. On a de la chance qu'il ne pleuve pas. Le prêtre, parfait. Les musiciens, parfait. Les fleurs, parfait. Deux secondes, le chien. Allô? Barbara, si vous achetez votre robe maintenant, elle sera passée de mode le jour de votre mariage. Patientez une seconde. Allô? Lorraine, on ne trouve pas les boutonnières pour les garçons d'honneur. Elles sont à côté du livre d'or dans une boîte. Barbara, il faut que j'y aille, mais on attend les salles de chez le couturier dont je vous ai parlé. Ça vous va? D'accord, au revoir. Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce qui a fait ça? C'est ce chien qui a fait ça! Ça va aller. Sneakers! Oh, Tanik! Oh, je suis désolée. Pourquoi vous courez? Mais il faut que j'attrape ce chien. Ah, d'accord. Viens ici. Sneakers, viens ici. Par là, chien. Hein? Sous la table. Allez de ce côté, on va l'encercler. C'est votre chien? Non, il est à ma patronne. Ah ben, elle devrait lui administrer une bonne dose de Prozac. Elle en a tout un stock qu'elle pourrait partager. Oh, il n'est plus là! Il est là! Allez à droite, moi j'ai à gauche. Oh, excusez-moi. J'ai une idée. Merci. Ici, petit, regarde ce que j'ai pour toi. Sneakers! Sneakers. Oui, c'est à se demander, je sais. Ah. Ici, Sneakers, tu veux une petite quiche? Voilà. C'est bon la quiche, hein? C'est bon la quiche. D'accord, désolé, merci. Oui, ça y est, je la tiens. Oh, merci. Ah, c'était rien. Vous savez, nous les pompiers, on a l'habitude de sauver des chats, pas des chiens. Bon, si vous voulez bien m'excuser, il faut que j'aille faire des petits miracles. Mesdames et messieurs,
Asseyez-vous. Beau boulot. Merci. Vous savez quoi? Je pense qu'on fait une sacrée bonne équipe tous les deux. Vous savez quoi? Je crois que cet échange de bons procédés entre nous est inapproprié. Ah, je suis d'accord. Vous l'êtes? Oui. Ce serait mieux qu'on unisse nos forces autour d'un bon dîner. Vous m'avez mal comprise. En quoi? Il serait plus judicieux de ne parler que de l'organisation des noces. D'accord. D'accord. Vous êtes là tous les deux pour unir vos chemins. Alors? Darla m'a dit que vous n'aviez pas encore d'endroit pour la réception. Moi, j'en connais un qui est merveilleux. Jane Mary Fisher. Ah, on parle de mariage, je suis pas hors sujet. Voulez-vous prendre pour époux George Henry? Je vais y Miller, penser. Ici présent. Ah. Alors, quand vous m'aviez dit que vous connaissiez l'endroit idéal, je pensais pas qu'il fallait porter des chaussures de marche pour y accéder. Souffrons ensemble, on y est presque. Oh, c'est très beau ici. J'adore cet endroit. Je viens souvent le week-end pour décompresser. Moi, je passe l'aspirateur pour décompresser. Ah, mais non, mais ça, c'est de la détente. Qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Je réorganise mes placards. C'est génial. Mais où est-ce que vous m'emmenez? Patience! Faites pas cette tête, hein, j'ai pas l'intention de vous tuer. Si c'était le cas, vous ne me le diriez pas. Ah, c'est rigolo ça, un sac à main qui sonne. Oui, j'entends. Vous savez, ce parc interdit les portables à cause des animaux sauvages en captivité. C'est mon talkie-walkie. Allô? Bonjour Lorraine, une certaine Barbara est venue à la réception, elle voulait vous voir. Dites-lui de prendre un morceau de gâteau et que je la recontacterai, merci. Jamais un moment de répit. Pas le moindre. C'est là. Waouh. Une fête foraine. Faites-moi confiance. Oui, c'est ça, je vais faire confiance à un type qui est fiancé à ma cliente. Je vais continuer à lui sourire poliment. Quand on était gamin, on venait ici tout le temps. Alors j'ai pensé que ce serait l'endroit idéal pour la réception. Oui, oui, idéal. Mais je ne pense pas que Darla soit très enthousiaste. De plus, il faudrait louer des tentes, amener les traiteurs jusqu'ici. Sans parler des tonnes de crème anti-moustique qu'il va falloir acheter. Ah. Bon alors, c'est une mauvaise idée, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est l'intention qui compte. Ah, j'ai une autre idée alors. Que diriez-vous de faire un tour de manège avant que nous repartions? Allez, je demanderai qu'on vous paye des heures sup. Vous allez voir, je décroche tout le temps les queues du singe. Vous savez, le manège, c'est ce que je préférais quand j'étais petite fille. Et moi, c'était les stands de tir. Lorraine, je vais être franc avec vous. Si on est ici, c'est pas que pour l'organisation du mariage. Ah. Je voulais aussi vous parler. Quand on sera descendu du manège, je voudrais vous parler. De vous et moi. Je savais pertinemment qu'il ne pouvait y avoir de vous et moi avec le fiancé de Darla. Mais quand Nick prononça ces trois petits mots, un bien-être m'envahit. J'étais de plus en plus conquise et il fallait que j'y mette un terme. Je suis désolée, il faut que je parte. Hein, là, tout de suite? Oui. Mais attendez que le manège s'arrête, au moins. Non, il faut que je descende tout de suite. Attendez. Aïe. Oh. Ça va? Oui, oui, je vais bien. Tiens, vous vous êtes foulé la cheville, on va je le faire. Je vais bien, je vais bien. Ça, oui, allez. Vous êtes foulé la cheville. Je vais bien, je vous jure. Je vous emmène à l'hôpital. Je veux pas aller à l'hôpital, je veux même pas aller. Je connais mon métier. 2 heures aux urgences et quelques antalgiques plus tard, je ne souffrais plus. Et voilà. Alors, ça va? Faites pas de bruit, d'accord? Ah, bah d'accord, désolé. Vous vivez seule? Oui, non, c'est-à-dire oui, mais ma sœur habite avec moi. Elle a rompu avec son petit copain, j'ignore. D'accord. Coucou. Coucou. Ah, à l'évidence, votre sœur n'est pas là et j'ai pas l'intention de vous laisser toute seule. Vous avez pris beaucoup trop d'antalgiques. Ah, non, ça va, je vous jure. Sauf qu'il y a un truc qui est trop rigolo. Ah oui? J'arrive pas à me concentrer, mon sens, que vous êtes mignon.
Merci, c'est trop gentil. Je me suis bien amusée aujourd'hui. Ouais. Sauf l'hôpital. Oh, mais le parc, c'était génial. J'ai adoré le tour en barque. Et le manège, oui, ça c'était super. Je suis tombée. Ah, ça c'était pas... Je suis qu'une idiote. J'ai jamais la tête qui tourne. Nick, c'est dingue, je vous aime bien. Je sais que je devrais pas. Mais c'est vrai. C'est marrant, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui fasse des listes en dormant. Oui, ma sœur est un peu dingue avec ça. Moi, je la trouve très mignonne. Bonjour, le malade. Ça va mieux, ta cheville? Mieux, oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ma cuisine? Pour rien, votre sœur m'a embauché pour faire le petit déjeuner. Oh, tu devrais goûter ces crêpes, elles sont bien meilleures que celles de maman. Hein? Vous devriez vous asseoir, je vais vous servir. Merci pour le petit déj, mais il faut que je me grouille, je vais être en retard à l'école, moi. C'est dans la poche. Au revoir. Au revoir. Alors, vous vous sentez comment? Cotonneuse. Oh, ah oui, je voulais pas vous laisser passer la nuit toute seule, vous étiez un petit peu à côté de la plaque. Où était Lily? Elle a batifolé en ville jusqu'à 5h du matin. Vous et votre sœur, vous êtes très différentes. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Tenez, votre jus de fruits, fraîchement pressé. D'accord, bon, là vous dépassez les bornes, j'apprécie tout ce que vous faites, mais ce jus et votre garde nocturne, je ne veux en aucun cas que vous vous imaginiez quoi que ce soit. Vous allez me dire que vous ne sortez pas avec vos clients. Bien sûr que je ne sors pas avec mes clients. Très bien, puisque c'est comme ça, je laisse tomber le mariage. Oh, qu'est-ce que vous dites? Oh mon Dieu, regardez ce plat, il faut le faire tremper. Cette cuisine non, est une porcherie. Arrête, je ne veux pas que vous vous fassiez encore du mal. Hein. Ne faites rien. La vaisselle? Non, le mariage. Vous voulez plus de moi dans ce mariage? Au contraire, je veux que vous vous y impliquiez. Ah, d'accord. Moi, il faut que j'aille au boulot, alors on en discutera ce soir au dîner. Et puis quoi encore? C'est non. Bonne idée. Bah, passez me prendre à la caserne vers 6 heures. Vous plaisantez, j'espère. Jamais avec la nourriture. Allez, mangez, vous verrez. Où étiez-vous passé? Il est presque midi. Il est 10h30. Je suis en retard parce que je me suis foulée la cheville. Oh, ma chérie, je regrette, mais dans votre état, je vois mal comment vous pourrez vous occuper du plus important mariage de ma carrière. Qu'importe maintenant. Darla vous attend dans mon bureau. Elle dit que c'est important et que c'est à vous qu'elle veut parler. De quoi veut-elle me parler? Des mariages, bien sûr. Dépêchez-vous. Écoutez, Darla, je peux tout expliquer. Oh, je suis désolée, je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas savoir combien je regrette. Ce n'est pas votre faute. Qu'est-ce que vous dites? Si vous êtes en retard à un rendez-vous que je n'ai jamais pris, vous n'y êtes pour rien. Alors pourquoi pleurer? Moi et mon fiancé, on s'est disputés l'autre soir. C'est allé tellement loin qu'il était prêt à annuler le mariage. Vous êtes disputé à quel propos? La liste des invités. Oh, je sais, c'est ridicule. Et je me disais que vous pourriez nous aider à arranger les choses. Oui, bien sûr. J'espère que ça ne vous ennuie pas, je lui ai dit de venir ici. C'est vrai? Oui, comme vous avez le sens pratique, je suis sûre qu'il deviendra raisonnable. Bien, excusez-moi une petite minute, je reviens. J'en ai pas pour longtemps. Ah, bonjour, vous êtes Lorraine, c'est ça? Oui. Écoutez, je suis désolée pour l'autre soir. Oh, alors, c'était rien. Non, vraiment.
Si on en discutait une autre fois, d'accord? Parce que là, je suis avec une cliente. Oui, Darla m'a dit que vous nous parleriez de la liste des invités. C'est une question qui regarde les futurs époux, généralement. C'est ça. Et Nick n'est pas là. Et pourquoi viendrait-il? Chérie, salut. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le marié? C'est moi. Jess, c'est James, le marié. Mais je croyais que... C'est pas Nick, le... Mon témoin. Oui, où avais-je la tête? Oui. Allons voir cette fameuse liste. Règle numéro 7. Tout ce qui peut aller de travers peut aussi aller bien. Au bout du compte, Nick n'était pas fiancé. Fini le quiproquo, fini la culpabilité. La route était désormais dégagée. Très bien, très bien, très bien. Allons-y, 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 tout le monde dehors. Allez, 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 on dépêche, on se calme, allez, allez. Accroche-toi. Bien, bon boulot. Va, salut. Salut. Bien, tout le monde descend, on descend. Vous êtes parfait, c'est qu'un petit jeu. Tant mieux, je me disais aussi qu'ils étaient très jeunes. Dites-moi les enfants, la semaine prochaine, je vous montre comment on descend le long de la rampe. Vous êtes d'accord? Cheville, ça va? Oui, beaucoup mieux. Bien. Bon, ça va, ça suffit, ça suffit. Je suis de garde jusqu'à ce que leurs parents viennent les chercher. Ça vous ennuie de rester avec nous? Non, pas une seconde. Bon, dans ce cas, je vous promets que vous n'allez pas le regretter. J'ai une bonne idée, je pense. Qui veut jouer à chat? Chat? Oh, attention, attention. Oh, faites attention, là. Merci. De rien. Et voilà. Waouh. Alors, c'est ça que je ne vais pas regretter. Mais vous pourriez me faire plaisir une seconde. Oh. Oui, la dernière fois que je vous ai fait plaisir, je me suis foulée la cheville. Oh, attention, vous mettez les pieds. Merci. En vérité, je ne suis pas très fan des surprises. Je sais. Mais pourtant, les surprises peuvent parfois enjoliver la vie. Pour vous, peut-être. Vous trouvez? Oui. J'ai découvert cet endroit en éteignant un incendie dans l'immeuble. Alors, je suis monté ici respirer un coup et j'étais subjugué par la beauté de cette rosace. C'est divin. Vous êtes prête à dîner? Non, je voudrais rester encore ici. Ah, d'accord. Et dans ce cas, vos désirs sont des ordres. J'espère que vous aimez les repas froids. Pour quelqu'un qui déteste penser à l'avenir, vous avez dû drôlement vous creuser la cervelle. Et peut-être même faire une liste. Ah, oui, c'est exact. Mais ça valait franchement le coup. Un verre de vin? Avec plaisir. Merci. De rien. Santé. Aux surprises. Je suis content que vous soyez venu ce soir. Et moi qui croyais que vous n'étiez pas intéressé, mais alors du tout. En fait, la raison pour laquelle j'ai été si distante avec vous, c'est que je croyais que vous étiez avec Darla. Ah. C'est dingue. Non, non, c'est pas si dingue. J'ai eu une histoire avec elle. Vous étiez en couple? Non. Non, 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 on est sortis que deux fois ensemble, c'était rien. Ça m'a paru tellement étrange de vous voir tous les deux dans ce bar. S'accrocher à vous si fort. Bah, Darla est une charmeuse invétérée. On n'était pas là en amoureux, croyez-moi. Jay devait nous retrouver, mais il a été coincé au boulot. Lorraine, ces petits jeux, c'est pas mon truc. Je suis quelqu'un de très droit. L'honnêteté, c'est capital pour moi. Et Darla est loin d'être mon type. C'est quoi votre type? Ah, eh bien... D'accord. Bon, ben, on va commencer par la base. C'est une femme. Non fumeuse, de préférence, pas de casier, pas mariée, j'ai pas envie d'avoir un mari jaloux sur le dos. Intelligente, sensible, ayant quelques obsessions compulsives, incroyablement belle. Vous voyez? Une personne comme vous.
Allez-vous essayer de vous enfuir si je tente de vous embrasser? Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel the glow just thinking of. Tu aimes mon appartement? Non. Très joli. Désolé pour le désordre. Au fait, tu m'as jamais dit quel était ton type d'homme. Eh bien, je voudrais rencontrer une personne qui soit intelligente. Drôle. En qui je peux avoir confiance. Tu veux dire que mes chances sont maigres? C'est de toi que je parlais. En état d'arrestation, je vous ordonne de réintégrer le lit. Je vais être en retard au travail. Je te ferai un mot d'excuse. Les fringues, c'est l'ennemi. Oh, ça t'embête que je le ramasse. Je viens juste de le faire nettoyer. Ah, oh, chez les Corinna, on laisse ses bagages à la porte. Oui, et apparemment tout le reste sur le sol. Tu pourras le supporter? J'essaierai. D'accord. Je crois que j'ai quelque chose qui fera passer la pilule. Je voulais te le donner hier soir, mais j'ai oublié. Un caillou? Je croyais que quand on donnait un caillou à une fille, c'était en forme de bague. Oui, mais ça c'est une pierre, pas un caillou. C'est une pierre de réconfort. Quand tu te sens trop stressé, tu la palpes et tes soucis s'envolent. Merci. Mais de rien. Gentil. Je vais rester encore quelques minutes. Ah oui. Mm-hmm. Bien ça. Mm-hmm. Je suis content. Mm-hmm. Désolée d'être en retard. Jenny? Y'a quelqu'un? Attention, je suis armée! Sneakers! Pourquoi me détestes-tu autant? Je suis à Atlanta pour une convention, je vous prie d'emmener Sneakers chez le toiletteur. Génial. Ah!
Je suis Linda Tedanski, la maman de Darla. Oh, bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Merci, moi de même. Oh, quel adorable petit chien. Oh, c'est un vrai charmeur. Je vais l'installer par là. Et nous resterons ici pour parler. Oui. Voilà. Par ici, je vous prie. Oh, asseyez-vous. Ne prenez pas celui-là. Ce fauteuil est plus confortable. Merci, c'est gentil. C'est vrai, il est mieux. D'accord. Alors, à propos du plan de table, vous m'aviez dit que votre mère voulait être avec ses amis du bingo. Et donc, afin qu'elles soient ensemble, je leur ai attribué la table 20. Est-ce que ça va, Madame Tedanski? En vérité, non. Je ne suis pas certaine que ce soit de bon ton de vous dire ça, mais après tout, les impondérables font partie de vos prestations. Exact. Laissez-moi d'abord préciser que Darla est une merveilleuse jeune fille. Oh oui, tout à fait. Seulement, elle a toujours eu des tendances un peu bizarres. J'ai cru qu'en la fiançant... J'ai vu un des témoins chez ma fille hier. Oh, Madame Tedanski, c'est très courant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Tout nu? Avec Darla? Ils étaient en... Avez-vous, par hasard, reconnu qui se trouvait avec elle? J'ignore qui c'était, il me tournait le dos. Mais je crois que c'était le frère du marié. Nick? Oui, celui avec lequel elle est sortie. Mais c'est impossible. Avec Darla, tout est possible. Donc vous croyez que Darla et Nick... Une liaison, je crains que oui. Je ne sais pas ce que je dois faire. C'est aussi mon cas. J'ai dit à Bonnie que c'était très urgent et je lui ai donné rendez-vous au bar. Et malgré l'ambiance détendue, j'étais crispée à l'extrême. Tu trouves ça logique, toi? Je décide de refaire confiance aux hommes et regarde ce qui m'arrive. Je ne suis qu'une idiote. Mais non, pas du tout. Je peux vous offrir un verre? Pourquoi? Vous voulez me donner un faux sentiment de sécurité pour ensuite me briser le cœur? Non, merci. J'ai rien dit. Je suis trop dure? Un chouïa, peut-être. Cela dit, à la décharge de Nick, Madame Tedanski a dit qu'elle n'avait pas vu son visage. Et qu'il ressemblait à son frère. Combien de frères a-t-il? Hein? Je crois. Je voudrais pas tirer de conclusions hâtives, mais je veux pas que tu retombes sur un autre Brad. Fais-moi confiance, Nick est tout sauf un autre Brad. Ou peut-être bien que si. Il m'a dit qu'il n'avait rien de commun avec son frère, mais si c'était faux, je sais plus où j'en suis, moi. Et Nick, qu'est-ce qu'il en dit? Pour l'instant, rien. Je ne réponds plus à ses coups de fil. Laisse-lui une chance de s'expliquer. J'en ai plus qu'assez de leur accorder des chances. Bonjour. Il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Bonjour, Lorraine. Oh, bonjour, Darla. Je préparais les chouettes vaisselle pour votre réception. Qu'en pensez-vous? C'est très bien. Parce que si elle vous déplaît, on peut changer. On verra ça plus tard. Je veux avancer la date du mariage. Vous voulez avancer la date? Oui, c'est ça. Samedi. Pourquoi ne pas attendre la date qu'on avait décidée? Parce que je ne peux pas. Écoutez, Darla. S'il faut que je me démène comme une diablesse pour avancer le mariage, j'aimerais entendre autre chose que je ne peux pas. Je suis enceinte. Eh bien, je suis sûre que Jay sera un merveilleux père. Ce n'est pas lui. Qu'est-ce que vous dites? Le bébé n'est pas de lui. Voilà. De qui est-il? Darla, de qui est-il? De son frère. Mais enfin, mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez vous? Vous êtes gâtée par la vie, et tout ce que vous faites, c'est la gâcher. Vous croyez que parce que vous êtes venue au monde avec une cuillère en argent dans la bouche, vous avez le droit de traiter vos semblables de cette façon? Je vais vous dire une bonne chose. C'est pas parce que vous êtes privilégiée que vous avez le droit de tout faire. Vous avez fini, Lorraine? Non, je n'ai pas fini parce que je n'ai pas encore répondu à votre question. Ah. Et non, Darla, je ne changerai certainement pas la date. Parce que je crois que cela fait partie d'une autre de vos petites combines. Alors virez-moi. Ou encore dites à Jenny de me virer, mais je ne le ferai pas. Vous allez devoir trouver un autre moyen de vous sortir de ce guépier. Je vous suggère donc d'arrêter de vous montrer malhonnête envers les personnes qui vous aiment vraiment, parce qu'elles méritent mieux que ça. Maintenant, j'ai fini. Vous allez regretter vos paroles. Lâche ça tout de suite, sale diamant! Donne-moi ça!
Oui, c'est bien, mon chien. T'es un bon toutou. Oh oui, t'es un bon toutou. T'es un chien génial, toi. Oh oui. T'es un beau chien. Oui, un beau chien. Même si mes chances d'obtenir une promotion étaient largement compromises, je pouvais être fière de moi. Pour la première fois de ma vie, j'avais mis les points sur les i à quelqu'un. Et ça, ça me faisait un bien fou. Qu'est-ce que tu fais ici? Faut qu'on discute. Je n'en ai aucune envie. Je n'ai rien à te dire. Brad! Écoute, mon psy pense qu'on devrait se remettre ensemble. Il dit que je ne peux pas évoluer en tant que je. J'ai besoin d'être un nous. Oh, il n'y a pas de nous. Il n'y en a jamais eu. Il n'y en avait que pour toi. Ah, ça, c'est pas vrai. Si, ça l'est. Ah non, ça, c'est pas vrai. Si, ça l'est. Seigneur Lorraine, est-ce que tu peux être dur? Oh, c'est moi qui suis dur. Tu m'as trompée. C'est reparti. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, les hommes? Ça vous est si difficile de rester fidèle à une femme? Là-dessus, mon psy dit que chez nous, c'est purement génétique, malheureusement. As-tu la moindre idée du mal que tu m'as fait? Tu as détruit tous les espoirs que j'avais mis dans notre vie à deux. C'est rien, ça? Bah, je t'ai dit que j'étais désolée. C'est loin d'être suffisant. Signe. Oh, Lorraine, tu vas pas me faire signer ça? Si, c'est ce que je veux. Non, tu le veux pas. Est-ce que tu vas la fermer, Brad? Pour une fois, c'est moi qui aurai le dernier mot. Signe. D'accord. Mais je te préviens, ta mère ne va pas apprécier du tout. Ça, ça me regarde. Tu connais la sortie? Qui êtes-vous? Mais vous, qui êtes-vous? Le mari de Lorraine, c'est moi. Puis-je lui parler une minute? Oh, désolé, elle est dans son bain. Dites-moi qui vous êtes, je lui dirai que vous êtes passé. Non, 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 ça ira. Au revoir. Lorsque je repris le travail le lendemain matin, le bien-être que m'avait procuré ma franchise de la veille s'évanouit rapidement. Jenny était de retour au bureau et j'étais sûre d'être virée. Lorraine, ici, tout de suite. Je veux savoir ce qui s'est passé durant mon absence. Jenny, écoutez, je vais vous expliquer. Mon fauteuil est fichu! Vous voulez dire que ça ne concerne pas Darla? Non, sauf si c'est elle qui a pissé dessus. Non, bien sûr que non. Sneakers a eu un accident quand vous êtes partie, mais ça, c'est parce que vous lui avez manqué. Oh, mon adorable bébé, viens voir maman, Sneakers. Va voir ta maman, Sneakers. Allez, Sneakers, va voir ta maman. Il veut vous faire comprendre qu'il est fâché. Oui, je vois ça. Que disiez-vous à propos de Darla? Eh bien, je me demandais si vous lui aviez parlé. Non, mais j'ai parlé à sa mère et elle m'a dit de vous féliciter d'avoir su gérer une situation si délicate. Elle a dit ça? Et que c'est samedi prochain que le mariage aura lieu. Finalement, ils ont décidé de le faire. Et pourquoi ne le feraient-ils pas? Jenny, je doute d'être capable de gérer cette situation. Oh, par pitié, vous allez devoir passer la nuit là-dessus. Alors, je ne suis pas virée? Bien sûr que non, je vous l'ai dit. Si vous vous en sortez, vous aurez une promotion. Mes migraines nous reprennent. J'aurais dû être heureuse d'avoir réussi à organiser le mariage de Darla en deux jours. Mais j'étais obsédée par Nick. Comment avais-je pu tomber amoureuse de quelqu'un qui avait couché avec la fiancée de son frère, qui avait menti sur la nature de nos relations? En dépit du sentiment de trahison qui me taraudait, je devais faire du bon boulot, qu'importe les circonstances. Darla, j'ai votre...
Fermez la porte à clé. Rick? Oui, Rick Corina, le petit frère de Jay et de Nick. Nick n'avait donc pas de liaison avec Darla? Une vague de soulagement venait de me submerger. Mais tout à coup, j'ai pris conscience qu'il y avait tout de même quelque chose d'horrible dans cette vision. Oh, comment osez-vous? Y a-t-il un quatrième ou un cinquième frère dont j'ignore l'existence? Vous avez couché avec eux aussi? Et comment allez-vous tenir la promesse jusqu'à ce que la mort nous sépare quand il vous est déjà difficile d'être fidèle une journée? Ne soyez pas si provincial. Et vous, vous vous rendez compte du mal que vous faites à Jay? Il m'a déjà volé des petites amies avant. Darla? Oh, Jay! Chérie! Ce n'est pas ce que tu crois. Ah non? Non, Jay, elle va tout t'expliquer. Expliquer? Moi, je vais t'expliquer. Jay! Non! Jay, ne touche pas! Arrêtez immédiatement! Reviens ici! Arrêtez, cette fille! Eric, calmez-vous! Oh mon Dieu, il va se déchirer! Ça va? Oui, il faut que je te parle. Pas maintenant! Il va me lâcher! Je vais l'excuser! Non, non, c'est pas la peine! Sortir avec une femme mariée, ça m'intéresse pas! Je sais, je me suis trompée sur toi et Darla! Darla? Oh, non, mais je parle de toi là! Hein? Je vais te lâcher! Oui, oui, j'ai vu ton mari la semaine dernière! Mon mari? Mais qu'est-ce qui se passe ici? Arrêtez-vous immédiatement, vous entendez? Vous devriez avoir honte de vous. Et pourquoi restez-vous là sans rien dire? Vous êtes demeuré ou quoi? Laissez tomber. Nous avons un mariage dans un quart d'heure. Et ça n'est pas demain la veille qu'on verra un mariage de Jennifer Douglas annulé. Vous, buvez ça. Et vous, finissez de vous habiller. Je ne veux pas que votre père soit au courant de ce qui vient de se passer. Quant à vous, vous avez déjà causé assez de dégâts comme ça, alors essayez de faire profil bas cette fois. Vous savez, vous ne réussirez jamais dans ce métier si vous gérez les choses de cette façon. Grâce au flacon de Jenny, j'ai réussi finalement à marcher jusqu'à l'hôtel et après avoir moi-même pris quelques lampées, je me traînais jusqu'à ma place. J'aurais aimé vous dire qu'avec tout mon sens de l'organisation et ma grande empathie, j'avais redressé la situation. Mais en fait, je n'avais fait qu'aider le pauvre marié à se saouler pendant que Jenny essayait de le convaincre d'épouser Darla. Bonjour. Le mariage est une institution sacrée, créée par Dieu, comme symbole d'union entre un homme et une femme. Et si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant. Nous allons... maintenant, échanger les vœux, les alliances. Ces anneaux sont symboles d'engagement et de fidélité. Ça tombe bien. James, voulez-vous prendre Darla pour épouse fidèle et dévouée et à partir de ce jour l'aimer et la chérir ? Dans la joie comme dans la peine, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Comment as-tu osé me tromper avec mon propre frère? Mon fils, souhaitez-vous que je répète la question? Non, ce ne sera pas nécessaire, mon père. Et avec tout le respect que je vous dois,
Je refuse de prendre Darla pour fidèle épouse. J'ai changé d'avis. Je ne veux plus d'elle. Oh. Attends deux secondes, ce n'est pas toi qui ne veux plus de moi, c'est moi qui ne veux plus de toi. Mais on s'en fiche. Darla, voyons. Tais-toi, maman. J'ai quelque chose à dire. Non. Je n'épouserai pas Jay, même si c'était le dernier homme sur la Terre. Et jamais je n'aurais eu le courage de vous faire part de ce que je ressens s'il n'y avait pas eu Lorraine Crandall. C'est elle qui m'a dit que je devais être honnête et respectueuse envers les gens qui m'aiment. Non, 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 je crois que vous vous méprenez. Ce que je veux, c'est rompre avec Jay. Parce que je suis amoureuse de son frère. Oui. Non, Rick. C'est donc lui que j'ai vu nu comme un verre. Et je suis fière de vous dire que nous allons avoir un bébé. Bien que le mariage de Darla ne fût pas célébré, Lou Tedanski en aurait fait une maladie si la réception n'avait pas eu lieu. Jenny m'avait prévenu que j'en resterais au même point si je ne prenais pas les rênes en main. Alors, grâce à un mélange de stress puissance 1000 et du flacon de sérum de vérité de Jenny, je décidai d'envoyer balader la prudence et de dire ce que je pensais. Et vous voulez que je vous dise? Vous. Désolée, vous devriez avoir honte de vous. Non, 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 je n'ai pas fini. Il est temps pour vous de grandir et d'apprendre ce que c'est que d'être un homme, un frère, et dans 7 mois, un père. Et là, vous avez fini? Avec vous. Hey. Je vous vois au golf samedi, hein. Vous voulez savoir ce que je pense? Oh, très cher, je ne suis pas sûre de le vouloir. Vous auriez dû corriger Darla lorsqu'elle était encore adolescente. Vous pensez pas? Oh mon Dieu! Excusez-nous une petite minute, vous voulez bien? Lorraine, tu devrais rentrer chez toi, ce serait mieux. Je veux pas rentrer chez moi, je veux tenir les rênes! J'ai la tête qui tourne. Bon, allez, viens, on s'en va. Nick. Nick. Tout cela n'est qu'un terrible malentendu. Je me suis vraiment trompée sur toi et Darla, et toi aussi sur Brad et moi. D'ailleurs, on n'est presque plus un couple marié. D'un point de vue technique, je veux dire, parce qu'on est en train de divorcer. C'est une bonne nouvelle, ça, non? Lorraine, je crois qu'on ne devrait plus se revoir. Pourquoi tu dis ça? Parce que tu as douté de moi. Lorraine Crandall? Vous êtes virée. Génial. À mon réveil, les paroles de Nick résonnaient encore dans ma tête. Il avait retourné mon manque de confiance en lui contre moi. Il avait raison. J'aurais dû croire en lui. Mais malgré une horrible gueule de bois, j'ai eu un moment de lucidité. Règle numéro 8. Quand il s'agit de l'amour, il n'y a pas de règle. Oh, laisse tomber. Comment tu te sens? Oh, je me sens célibataire. Au chômage et avec une gueule de bois d'enfer. Tu devrais téléphoner à Jenny et lui demander de te reprendre. Pas question, c'est une bénédiction du ciel. Je préfère être pauvre et au chômage plutôt que de travailler pour ce tyran. J'y vais. Alors ça, ça devrait te remonter le moral. Joli bouquet. Oh, la chance. C'est pour toi. Délice pour ma Lily. Reviens à la maison, je t'en supplie, je t'aime, Banjo. Alors ça, c'est trop craquant. Et tu fais quoi de tes 3 mois de réflexion? La vie te réserve parfois des surprises, Lorraine.
La bonne nouvelle, c'est que tu vas retrouver ton appartement. Génial. Je peux ajouter le mot solitude à ma liste. Là, je crois que j'ai atteint le sommet. Ah, au fait, maman a téléphoné. Elle a dit de te rappeler que tu devais bruncher avec elle. Laura, il est 11h passé. Tu avais oublié notre rendez-vous? Et pourquoi portes-tu ces lunettes? C'est ridicule. Oh, maman, je t'en prie, arrête tes questions et parle un peu moins fort. Tu veux Et pourquoi? T'as la gueule de bois. Oh, je te le demande à genoux. Tu pourrais pas parler d'autre chose? D'accord. Regarde. Oui, ça me rappelle quelque chose. Regarde la couverture. Les consultants conseils juniors, les vrais experts. Écoute. La renaissance actuelle des femmes, une consultante conseil telle que Lauren Crandall sait tout maîtriser du voile entortillé au futur marié titubant. Est-ce qu'on parle de Jenny? Non. Oh là, elle va faire une attaque. Eh bien, moi, je trouve ça merveilleux. Tout ce qui te manque, c'est un homme pour partager ta vie. Enfin, à propos, as-tu parlé à Brad? Maman, il est impératif que je te dise quelque chose. Et je te demande, s'il te plaît, d'écouter sans rien dire. Parce que je me demande, moi, depuis un an, si je vais trouver le courage. Qu'y a-t-il, chérie? Oh, mon Dieu! Tu es lesbienne? Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Si tu m'assures qu'un jour, j'aurai malgré tout des petits-enfants. Non, je ne suis pas lesbienne. La vraie raison pour laquelle Brad et moi avons rompu, c'est parce qu'il m'a trompée. Quoi? Il a tenté de coucher avec Lily pendant notre mariage. Il a osé. Demande à Lily. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Et moi qui n'ai pas cessé de vouloir te réconcilier avec ce fourbe. Oh, je suis désolée. Maman, c'est pas ta faute. Tu n'étais pas au courant. Mais pourquoi tu ne m'en as pas parlé plus tôt? J'avais honte de moi parce que ton mariage est une perfection. Je voulais pas te décevoir, voilà tout. Oh, Lorraine. Lorraine, sache que tu ne me décevras jamais. Quoi que tu fasses. Merci. Non, merci à toi d'avoir été honnête. C'est bien. Et comme ça, je n'aurai plus besoin de faire la conversation avec ta rasoir de belle-mère. Maman, je t'adore. Je t'adore aussi. La confiance que ma mère avait en moi me fit réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. Le travail me manquait. Il y a quelque chose dans ce métier que je faisais, malgré les défis qu'il comportait, qui me rendait heureuse. Règle numéro 9, même dans un mariage qui cumule les impairs et les catastrophes, il devrait toujours y avoir un instant de bonne volonté, sans tâche, rempli de pureté. Savoir que je pouvais contribuer à créer une seconde ou deux de parfaite harmonie motiva mon retour dans ce lieu. Oh, merci. Et c'est à ce moment-là que j'eus la révélation. Je ne voulais pas seulement être spectatrice de ces instants de bonheur, je voulais aussi les vivre. Y a quelqu'un? Oh, tiens, voilà l'organisatrice du mariage infernal. Je suis désolée, j'aurais tellement aimé que les choses se passent autrement. Et moi, j'aurais aimé ne pas faire profiter de ma lune de miel à mon frère. Au moins, vous l'avez su avant. Non, croyez-moi, c'est encore plus douloureux après avoir dit je le veux. Que voulez-vous? Je cherche Nick. Il n'est pas ici. Vous savez où il est? Sur un incendie à Wigleyville. Il est là-bas pour un moment. C'est très urgent. Jay, il faut vraiment que je lui parle. Qu'est-ce que vous faites? C'est une urgence, n'est-ce pas? Je vous emmène. Votre frère avait raison. À propos de quoi? De vous. Vous êtes loin d'être un méchant garçon. Oh. Attention.
Attention, nous devons... Accrochez-vous. Allez, laissez-le passer, on dégage. On y est presque. Impérativement que je te parle. C'était très urgent. Ma sœur a dit un truc plutôt intelligent aujourd'hui. Elle a dit, la vie est pleine de surprises. Et parfois, une personne particulière se met sur ton chemin. Quelqu'un qui vaut le coup qu'on traîne un risque pour lui. Et je crois que... Je sais que... Que tu vaux la peine que je cours ce risque. Alors, si tu t'en sens capable, je voudrais vraiment que tu me donnes une seconde chance. On s'embrasse? Non, non. Ah non, regarde. T'as vu, je suis super sale. Tu vas te forcer de faire nettoyer ton gilet. Ah, l'amour. Ah tiens, il y a ta poche qui sonne. Oui, j'ai entendu. Le dossier est ici, Barbara. Je l'ai moi-même cherché. Je sais que je vais le trouver, d'accord? Désolée d'avoir pris autant de temps, mais c'est le chaos ici. Barbara, je vous rappelle très vite. Lorraine! Oh! Merci, vous êtes là. Je suis passée uniquement pour prendre mes affaires. Non! Non, vous ne pouvez pas partir. Le bureau est sans dessus-dessous depuis votre départ. Tâchez de vous en souvenir. Vous m'avez virée. Oui, mais depuis cet article dans le magazine, il se trouve que tout le monde vous réclame. Vous devez revenir. Je sais pas. Si ce n'est pas pour moi, faites-le pour Snickers, regardez-le. Il n'arrête pas de tout mettre en pièces depuis que vous êtes partie. Je voulais vous ménager, Jenny, mais il s'est toujours comporté comme ça. Bien, oubliez le chien. Je vous donne cette promotion et une augmentation de $600. Et vous aurez votre assistant. Mon assistant? Vous déciderez de vos horaires. Vous aurez tout ce que vous voudrez. J'accepte votre offre. À une condition. Pas de problème. Cette fois, je démissionne. Excusez-moi. J'en ai plus qu'assez que vous osiez me traiter comme une esclave et que ce soit vous ensuite qui en tiriez tout le bénéfice alors que vous foutez rien. C'est donc ainsi que vous me remerciez de vous avoir pris sous mon aile. Comment osez-vous me faire ça? C'est facile. Snickers, arrête-moi ça tout de suite! Coucou, patronne. Je vous ai apporté du lait. Je vous ai déjà dit de ne pas me servir. Dans ce bureau, on est tous égaux. Eh bien, dans ce cas, je vote une augmentation. Oh, ne poussez pas. Oh, il faut que j'y aille. Le mariage est à 8 heures, c'est ça? Oui. Donc, on se retrouve dans une heure? Mm-hmm. Parfait. Oh, et Marc? Quoi donc? Vous avez prévu de vous changer, n'est-ce pas? Bien sûr, il ne faut jamais faire de l'ombre à la mariée. On se voit tout à l'heure. Vous faites un dernier tour et je jette un œil sur la mariée. À vos ordres, patronne, terminé. Il faudrait fermer ça. Génial, tout se passe comme je l'avais prévu. Bon, allez. Oh, désolée. Tu es magnifique. Tu vas faire couler mon maquillage. Tiens, et
vieilles habitudes sont tenaces. Je suis si heureuse pour toi. Garde-le, j'en aurai plus besoin maintenant. Bon, il est grand temps d'y aller. Tu es prête, Lorraine? Je ne serai jamais aussi prête. Alors, qu'avons-nous appris? Règle numéro 10, se souvenir que le véritable amour ne se mesure pas aux invitations gravées en lettres d'or, ni à la taille de la réception. Le véritable amour est celui que vous trouvez quand vous ne l'attendez pas. Aimer vraiment, c'est accepter le risque que l'on puisse jamais dire « ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour ». L'amour, c'est prendre la main d'un homme qui vous aime pour ce que vous êtes et qui dit « je n'ai pas peur de croire en toi ». Un amour tel que celui-là survit à n'importe quoi. Bon, les mecs, on y va. Le devoir nous appelle. Allons-y. Allez, dépêchez-vous. Soyez heureux. Félicitations, meilleurs vœux. Même à une cérémonie légèrement chamboulée. Bon, continuez, continuez. Les parents, les amis sont réunis ici ce soir.